2005, l'éducation. Communique avec moi. Il y avait un poste de vacant. Ils ont converti le poste en conseiller spécial. Il y avait 10 000 grillés. Le ministère ne savait pas quoi faire avec. Il avait évalué que 10 000 griefs, si allait à l'arbitrage, la facture était de 20 millions. Mais si allait à l'arbitrage, la gagnerait peut-être. Il avait coûté, il estimait à 10 millions, en tout cas le coup net. Là. Et il me demande, comme conseiller spécial, d'analyser qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Mon interprétation. La convention, c'était un millimélo épouvantable. Et je leur dis, ça n'a pas de bon sens. Et je leur dis aussi, qu'est-ce que je penserais du bon sens. Alors là, ils me disent, ben, ta condition, là, on te demanderait, comme tu as une idée claire, puis qu'on est d'accord, t'es le gars pour aller à vendre. Alors là, je rencontre les trois représentants de centrale. Et on s'assoit une table le matin. Le lendemain matin, tout est réglé. On n'avait pas regardé les 10 000 griefs à part, là, mais des catégories, là. On avait un accord. Chine l'accord. Juste, m'avait envoyé négocier. Le représentant de la Fédération des commissions scolaires avait quitté la table sous prétexte qu'il était fatigué là, parce qu'on avait réglé ça à 4 heures du matin. Alors, j'appelle au bureau, puis je dis au sous-ministre, il dit « Comment ça va? » Je dis « Ça va bien. Fatigué, mais ça va bien. » Il dit « Oui. » Alors, il dit « Oui, tout est réglé. » « Hein? » Il dit « Qu'est-ce que tu as fait là? » Tout est réglé. Tout est réglé. Ah oui. Oui, mais il dit. On n'avait pas l'autorisation du Conseil du Trésor. On t'a envoyé là en reconnaissance. Ah ben, j'ai dit là. Reconnaissance, vous l'avez, reconnaissance. Là. Alors, finalement, ils ont observé. Le trésor a suivi. On réglait, on désengageait la machine. Mais quand ils ont eu tout fait le bilan, tout le coup net, là, c'était 1 800 000. On avait dessoufflé la balloune de 20 millions, estimé 10 millions réglement net, puis la facture 1 800 000. Alors là, j'ai pris du galop. C'est là que j'ai été nommé sous-ministre adjoint.